Chapitre 1er, les versets 13 à 23. Merci Seigneur. Alléluia. À nous prendre à 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés, par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché en toute créature sur le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Merci, t'avais bien-aimé. Adorable Père Saint-Jésus, Papa, nous qui sommes dans le ciel, nous disons merci pour parole, Père, et nous m'en t'en prie. Béni parole ça, afin que chaque petit qui l'a joigne aux paroles. Parole pour délivrer, parole pour guérir, parole pour libérer, parole pour transformer, et nous va glorifier. C'est comme ça que nous prions, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Encore une fois, mes bien-aimés, nous saluons dans le nom puissant de Jésus. Nous comptons avec nous. Nous l'ai dit, Pasteur Benjamin, grand merci. Et toute l'Église, grand merci. Jean, Pasteur Hippolyte, il y a un complot, mes bien-aimés. Eh bien, qui est sérieux, un complot. Pas vrai? Il y a un bon complot, hein? Il y a beaucoup de tout, oui. Oui. Nous avons dans nos problèmes qui dit complot, puis il faut passer qui ça? Ah, complot, puis il faut passer mon gars. Ah ouais, parce que les équipes mettent tête liée ensemble, je dis wow, à l'abjet, frère. À l'abjet. Pasteur, merci. You're welcome. Je me dis ça, non? Non. Et qu'on y a me dit. Mais bien aimé, quand même, on qui connaît que. Non, non, commencement au mois, pas vrai? Non, non, commencement au mois année. Yes. Amen. Ça veut dire, non, non, premier mois année. Premier mois année, le Seigneur mettait sous comme pour nous. Pour me parler de yon premier. Yon premier. Dans le premier mois, et le Seigneur invite me dit pour me parler nous de yon premier. Et donc on est premier, donc on est dans l'école. Qui vous mettez qu'on a fait pour mon gain, qui est la première place, ça va, oui? Et le premier, dans la classe là, il a toujours fait un geste avec le premier ça. Nous avons dit qu'on mettait une étoile dans le canem. Open, je te remets des petites étoiles, des bons livres. Parce que tout le monde a goûté pour qu'il telle classe. Parce que, ou avez un petit cadeau, vous avez un petit cadeau. Et c'est bande de vent qui est réservé pour la classe là. Bande de vent. Parce que, des bons dans tête, des dans tête classe là, vous avez une catégorie VIP. VIP. Et dans bande de vent, vous voyez. Ça veut dire que premier, mes bien-aimés, limite nos bagages, pas vrai? Les mêmes bagailles. Et là, nous avons des paroles, bon Dieu, aujourd'hui. Les madames vont parler de la prééminence de Jésus-Christ. La prééminence de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous avons les textes que nous avons dans Colossiens chapitre 1er. Et qui est-ce qui écrit le texte, mes bien-aimés? C'est l'apôtre Paul. Et apôtre Paul adressait texte à l'église de Colosse.
dans le premier siècle. Dans le premier siècle, ça va bon, moi. Merci. J'étais sur le speaker. Les adresser lettre à mes bien-aimés à l'église de Colosse dans les années 60 du premier siècle, alors que apôtre Paul était en prison. C'est dans la prison que l'Italie et monsieur adressé lettre ça à l'église, ça, à l'église de Colosse. Et lettre ça que l'apôtre Paul a adressé à l'église de Colosse, ce n'est pas parce que l'église Colosse était participée au championnat. À l'époque, ce n'est pas ton championnat, l'église qui t'a fait. Et que l'église de Colosse est sortie en première position. Il était champion. Et pas pour ça. Ce n'est pas au championnat que Négro a participé, que l'apôtre Paul a écrit ça, ni c'est pas tout prix que vous avez décerné à l'église de Colosse comme le premier prix de la foi, la paix bon Dieu avec vous. Le premier prix de l'amour, le premier prix des progrès. Non, ce n'est pas ça. Le regardez par votre ça, mes bien-aimés, ça qui était intéressé à l'apôtre Paul dans l'être ça, dans le texte ça, c'est que mes bien-aimés, chrétiens, yo, eh bien, chaque chrétien dans l'être ça, apôtre Paul t'a invité chaque chrétien pour yo gagner une attache à yon moun. L'église, est-ce que vous avez? Pour yo gagner une attache à yon moun. Pour yo mettre yon moun avant dans la vie yo. La paix bon Dieu avec yo. Et c'est ça, mes bien-aimés, raison de texte ça. Pour chaque chrétien, Colosse est capable d'attacher à un grand monde. À un monde. Ce n'est pas à une dénomination. Ce n'est pas à une congrégation. Ce n'est pas à un pasteur. Ce n'est pas à un apôtre. Ce n'est pas à un prophète. Ce n'est pas à un évangéliste. Ce n'est pas à un ami. Mais c'était à un. Alléluia. C'était à un monde, mes bien-aimés. Et monde ça, il est Jésus-Christ. La paix, bon Dieu, avec vous. C'est à monde ça que l'apôtre Paul t'a invité, chrétien Colossien, pour yon attacher et pour yon mettre monde ça dans le banc devant la vie. Combien de monde qui pourrait pour mettre Jésus-Christ dans le banc devant la vie? Dans le commencement, allez ça, mes bien-aimés. Ou un choix pour faire. Parce que on a une période de priorité pour de fixer qui sa priorité. Alléluia. Paul, mes bien-aimés, dans l'être ça, vous êtes capable de considérer l'être ça comme un hymne à qui monde? À Jésus-Christ. Son véritable hymne que l'apôtre Paul fait à Jésus-Christ. La voyez Jésus-Christ monter. Ou êtes capable de dire là, mes bien-aimés, son poète. Parce que ça, l'être n'a pas gardé là, son véritable poème à Jésus. Je connais matin, jeudi, après-midi, si ou vina pour la première fois. Et comme je ne connais monde qui vina pour la première fois, nous habitués vina là déjà. Mais peut-être texte ça capable de frapper aujourd'hui. Texte ça qu'on entend là, il est capable de frapper aujourd'hui. Alléluia. Et ça fait mes bien-aimés. Texte ça capable paraître tout un petit gens coriace ne gens formuler ça entre la dedans ni capable paraître tout coriace mais on va essayer de décortiquer pour vous. Nous va prendre plus de temps avant on va essayer porter l'essentiel pour vous. Alléluia. Nous va pas expliquer tout bagaille mais nous va essayer prendre essentiel dans texte ça que au moins l'on va aller là ou comprendre et ou regarder qui ça qui ou même, ou va mettre dans le devant la vie. Ou. En premier dans la vie. Ou. On nous mette accent, mes bien-aimés, sur mon premier. Alléluia. Tout d'abord, on nous garde le verset 15. Au verset 15, qui ça le dit? Il est l'image du Dieu invisible. Après, le premier-né de toute la création. Alléluia. On nous garde le verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Ensuite, il est le commencement, le premier-né dans les morts, afin d'être en tout le premier.
Merci. Là, nous jeunes premier acte, hein? En deux fois. Alléluia. En deux fois, mes bien-aimés. Premier né. Premier d'entre eux. D'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Alléluia. Merci Seigneur. Ça, mes bien-aimés, il attire attention nous. Ça attire attention nous. Parce que, mes bien-aimés, ou vinoué là, si nous avons ça, regardez qui ça Paul fait. Il insiste trois fois sur qui ça. Merci. Sous mot premier. Premier. Il voulait dire un bagaille. Il voulait dire un bagaille. C'est certainement, mes bien-aimés, lorsque l'apôtre Paul insistait sur la question première, c'est parce que, à l'époque, tu as gagné, il y a un vent qui t'a soufflé. Tu as gagné un autre vent qui t'a soufflé. Que ça, tu es capable de brûler des contestataires. Il y a un autre vent qui t'a soufflé dans l'église là. Il y a un autre vent qui t'a couru dans l'église là, on l'a bu. Ou t'es capable de dire des nègres qui t'a fait philosophie dans l'église à l'époque. Des nègres qui étaient dans la périphérie, mais qui a frappé, qui a baillé même tout enseignement. Il y a pas enseignement, il y a volé par remonter. Mais pendant ce temps, il n'y a pas contesté l'importance de Jésus. N'est-ce pas contester l'importance en nous? Tout problème, monsieur, c'est la position que Jésus-Christ occupait. La paix, mon Dieu, avec vous. N'est-ce pas contester le premier? Vous contestez du fait que Jésus, c'est le premier. C'est ça, il y a un mouvement gnostique. Jusqu'à présent, monsieur, ça, là. Les gnoses. Gnostique, mouvement gnostique. Monsieur Franc-Maçonnerie, les Rose-Croix, tout monsieur ça, ils ont entré dans la catégorie mouvement gnostique, ça. Le grand G. Le grand G. C'est le même mouvement ça. Donc, mes bien-aimés, n'est-ce pas tout, Jésus, c'est important, très important même, mais c'est un tout. La paix, bon Dieu, à vous, oui. C'est un tout. Li pa premier ou mais li c'est un tout. Et monsieur ça yo pralé jusqu'à yo tout Jésus a c'est un parmi tout l'autre yo. Jésus a c'est un tout dans construction, Jésus c'est un la donne mais li pa le premier d'entre eux. Li pa le premier en tout et ça monsieur vous contestez. Et qui t'aime tout. Rête là tout, mes bien-aimés, le pote de cause, eh bien, c'est qui ça, c'est ça qui plus élevé. Ça qui plus haut. Ça qui enlève tout bagaille là. Ça avant le pape gagnant, après le pape gagnant. Et vous parlez pour qui ça? La paix bon Dieu avec vous. Et je dis à mes bien-aimés, puisque nous avons une situation li, pas tellement trop changée. Mais pas gagné contestation ça en dans l'église là. Pas gagné. Mais ça va empêcher que courant ça leader là. Leader là ou jeune monde qui a fréquenté monsieur ça yo. Ou jeune monde qui en dans l'église tout mais qui a flirté avec courant ça. Alléluia. Parce que yo toujours là. Ou jeune même des dirigeants qui n'ont courant ça. Pendant ce temps, yo en dans l'église là, mes bien-aimés. Et c'est ça où il est. Le mouvement, il est le nouvel âge. C'est le même type de mouvement, ça. Donc, je dis à mes bien-aimés, le Seigneur Jésus, lui, c'est le premier en tout. Le premier en tout. Et on parle pour qui ça? Alléluia. Ça fait, mes bien-aimés, apôtre Paul écrit parole ça pour te porter précision ça pour monsieur yo, pour te retirer dans la confusion. Jésus qui n'est pas un ami tant l'autre yo. Par contre, si l'église avait non là. Il y a des gens qui comprennent Jésus, c'est un tout. Jésus n'est pas un tout.
Jésus c'est premier en tout. Il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de dans l'autre. Il a donné tout. Quand on peut parler, on dit, oh, avant Jésus était là tout. Jésus n'est pas là tout. Jésus c'est le tout. Alléluia. Vous parlez pour qui ça? Le premier, quand elle dit, il est le premier en création. Le premier en création. Verset 15, qui ça le dit? Il est le premier né de la création. Et ça qui baille tout le monde, le problème. Le premier né. Pour yo, Jésus, c'est un monde qui est né. Oui, Jésus, c'est même avec moi, même avant. Parce que pour qui ça veut dire le premier né? Expression ça surprend yo. Le premier né pour Jésus. Gen un groupe de yo qui servit avec pour contester la divinité de Jésus. Comprenez, yo dit, ben, si était ça, yo pas ta mettre ça pour lui. Mais mes bien-aimés, faut que vous compreniez l'expression que l'apôtre Paul a utilisé. Alléluia. Et quand elle était puisée, elle joint dans l'Ancien Testament. Et qui ça le premier né dans une famille représentée? La paix bon Dieu avec vous. Pour être capable d'utiliser ça, le premier né, c'est pas dans le langage, mes bien-aimés, de l'Ancien Testament. Le premier né, c'est une expression qui désigne un rang, un honneur. La paix bon Dieu avec vous. Une élévation. Et ça, qu'on peut voir dans le psaume 89, le verset 28. Le psaume messianique, ou peut voir qui ça y'a dit. Psaume 89, verset 28. Qui peut parler à l'avance de Jésus. Alléluia. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé de qui ça? Des rois de la terre. Alléluia. Merci Seigneur. Et mes bien-aimés, pour capable expliquer première partie verset A, après qu'on prend le soin deuxième partie à expliquer première partie A. Lorsque le fin dit, le premier né, alléluia, d'entre les morts, le premier né des rois de la terre, premier né signifie qui ça? Élevé, et Paul dit que Jésus est élevé au-dessus de qui ça? De toute la création. La paix bon Dieu avec vous. Il battant pour moi-même avec vous. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il s'est premier en toute bagaille, mes bien-aimés. Et ça, il faut parler en lui, par lui. Toute bagaille créée en lui, par lui. Et pour lui, alléluia. Christ n'a pas été créé. Là, il y a un groupe qui vient de côté de où il t'est créé. Il n'est pas Dieu. Et ça, mes bien-aimés, il faut retenir la parole. Faut venir dans l'étude. Parce que là, vous prenez, vous tout bayon 30 minutes pour laver tête tout, pour vous venir vous observer son petit Dieu, divinité, le contester. Après, vous dites dans la Bible là, il est le premier né de la création. Et vous dites, oh, après, vous dites le vrai. Après, le premier né, vous dites, mais il croit. Et puis, vous êtes sortant de toute tête, vous virer. Et vous dites, c'est vrai. Et puis, tout prend. Et puis, un petit moment autant d'orité, ou get un témoin. Je ne sais pas si témoin de qui ça. Même quand on get un témoin. Et puis, tu vas aller à pour frapper. Parce que témoin longtemps. Parce que tout, il n'est pas Dieu. 100% Dieu, 100%. Alléluia. Et ça permet bien aimé, monsieur, Jésus-Christ va étonner à une réponse. Il va bouleverser. Regardez parole là dans Jean 5, dans Jean 8, 58, l'Ibral dit, avant qu'Abraham fût. Alléluia. Ça a crasé les pharisiens. Yo. Monsieur sont-ils fréquents? Ça, monsieur comprend nier. Il dit, avant qu'Abraham fût qui s'allait, je suis. Alléluia. Sous des petits problèmes, sous 100% divinité, et bien là, ou clair sous lui. Sous tes outils, j'en bouleversé sous 100% Dieu, là, avant qu'Abraham fût, je suis. Et ça fait mes bien-aimés, ou pral des problèmes, parce qu'on pas capable de bonner, ou pas capable de arrêter, ou pas capable de prêter pour dire,
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? La parole de Dieu lui confirme. La paix, bon Dieu avec vous. Merci Seigneur. Lisez premier, lisez dernier, lisez toutes mes bien.